Souvenez-vous, l'été dernier, je suis venu ici, à Thorpe Park, et j'ai relevé le défi des 5 Grand Rides. J'ai ensuite testé le tout nouveau train fantôme révolutionnaire de l'illusionniste anglais Darren Brown, qui est un mélange de réalité et de réalité virtuelle. C'était une expérience très immersive et très terrifiante à la fois. L'attraction a d'ailleurs été plébiscitée par le public, mais le public a également demandé à ce qu'elle soit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus terrifiante. Et c'est chose faite cette année, avec une update de l'attraction qui s'appelle Rise of the Demon. J'ai peur, j'ai vraiment peur à l'idée de faire cette nouvelle version de l'attraction. Parce que j'ai vu une vidéo promotionnelle qui montrait qu'elle a été testée sur des personnes vraiment intrépides, comme un boxeur, un agent de sécurité, un gardien de prison, un instructeur en arts martiaux, et tous ont été mis en PLS, tous ont eu la peur de leur vie. Alors concrètement, qu'est-ce qui va m'arriver à moi à l'intérieur de cette nouvelle version de l'attraction ? Ça y est, je vais embarquer dans ce fameux train suspendu dans les airs. I'll see you on the other side. C'était vraiment une expérience encore plus terrifiante que la dernière fois, et je vous le conseille, la toute nouvelle version du train fantôme de Darren Brown.